I would like to share a scripture with you. That I learned from a very good friend of mine. Some of you have heard me talk about my friend Kristen. And her mom Lynn has come to Haiti. Et maman qui est Lynn, c'est une maman qui est venue en Haïti, spécialement ici, qui est venue ensemble avec nous. And Lynn will be coming in March. And her daughter Kristen was a good friend of mine. Et petite Christine, c'était un bon ami. And she went to be with the Lord about a month ago. Un mois s'est passé là, le Seigneur prend la vie d'Amza Pénien pour venir voir ici. She was sick with cancer for 10 years. Elle était malade avec une maladie que le cancer. But her sickness never stopped her. Mais maladie là pas jamais campé lui. For doing exactly what God called her to do. Pour faire ça, bon Dieu t'a révélé exactement pour te faire. She was very, very sick. Elle était très malade. And she reached out to many, many people. Et puis sa fête est touchée en pile monde. Until the day she died. Jusqu'à la mort, lui, she was reaching people for the Lord. Elle continuait à toucher le monde pour le Seigneur. She died when she was 39. Elle mourut pendant qu'elle avait 39 ans. With three children. Et elle quittait derrière trois timons. And this is the verse that she lived by. Et c'est plus bon bagage qu'elle te vive. Consider it pure joy, my brothers. Et pendant que je considère la joie de mes frères. Whenever you face trials of any kind. Et quelle que soit la tribulation ou bien test qui vient sur vous. Because you know that the testing. Parce que vous connaissez le bon Dieu par ce test. Of your faith. De sa foi. Develops perseverance. La développer ça qui est la persévérance. So I ask you today. Et je dis à ma mère. What are your trials? Qui tribulation, qui sont passés? Do you struggle? Est-ce que vous vraiment à bataille? With sickness? Avec maladie? Or hunger? Ou bien grand goût? Or sadness? Ou bien tristesse? Because what God's word says? Parce que sa parole mon Dieu dit? Is consider it? Les considérer? Pure joy? Et la joie qui est pure. That is what God has called us to. C'est ça que Dieu relève nous. And there's no other way. Pas rien en l'autre chemin encore. But God's way. Et sans façon par mon Dieu. So I wonder if there's people in this room. Et m'a demandé moi est-ce que pas rien dans la salle là. Who have lost a child. Qui a perdu un petit Dieu. Like Lynn lost Kristen. Tant que vous emmenez Lynn qui perdu Kristen. And there's nothing that can replace that child. Pas rien qui a remplacé Timon ça. But. Mais. You are to move on. Ou cap et surpasser ça. And live a life. Et vous vivez une vie. That God has called you to. Que bon Dieu t'a appelé pour vivre. And we are not to stop and just sit in our grief. Nous pas de chita pendant que nous dans tristesse. But we continue. Nous à continuer. And even though Lynn lost her daughter. Malgré Lynn perdu petite fille ça. It's only been 1 month. Seulement un mois. She and I are already planning her trip here. Nous tous les deux planifions voyage nous pour nous venir voir ici là. To see you. Pour nous être capable voir. So I pray that we can live. Moi prie pour être capable vivre. Lives that are always looking forward. Et on vit que tu es toujours à chercher. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel.